Bon voilà, on est en route avec Benoît, on a le matériel dans le coffre et de prime abord on a tout ce qu'il faut. Donc d'abord on est dans notre bulle à deux, c'est important à préciser. Et quand je dis on a tout ce qu'il faut, on a notamment nos tests PCR négatifs avec nous. Car bon, là on est parti en direction de la France, même en direction de la Loire pour être assez précis. Et c'est dans le cadre de Tram en commun. Donc reportage à l'étranger pour Tram en commun, on se retrouve un peu plus loin. Bon alors Benoît, ça a manqué ça. Ça faisait longtemps, plutôt presque 2 ans. Voilà, il y a des moments incontournables évidemment quand on est sur la route, c'est le moment café, le moment pause café. Et c'est ce que l'on est en train de faire avec Benoît. Bon, il nous reste plus de temps que ça. San Pellegrino plutôt. Ouais. Voilà, ce garçon n'a pas encore complètement compris qu'on n'est pas là pour citer des marques. On espère qu'au bout du séjour, il aura compris l'affaire. On se remet bientôt en route. Bon, ben, Benoît, je dirais qu'on s'est trompé. Et qu'on est biaisé. Voilà, nous sommes arrivés à destination où le port du masque est obligatoire en permanence. Vous voyez qu'il y a du tram derrière et que Benoît a déjà commencé à les filmer. Mais ça, c'est pour les images prétextes, parce que la vraie raison de notre venue ici, eh bien, on la découvre demain. Et voilà, nous y sommes à la raison vraiment de notre présence ici à Nantes, c'est que pour le moment, du personnel du TEC est en train de se former à la conduite du tram notamment, et donc c'est ce que vous verrez cette semaine sur les médias d'RTC à partir de mercredi, les Liégeois en formation ici à Nantes.